Pour jeu macho les frères. Ouais. Brrrra oh, dédicace à personne, fallait être là. Voilà. Ah ouais, ça me dague. Bon. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Argenteuil. On pose une question toute simple. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir de plus à l'école? On va voir leur réaction, leur réponse. Tiens, à l'école. Ça scalape parcours. Scalape parcours. Scalape parcours. Ça me dit quoi scalape? 500 euros minimum. 500 euros minimum. 500 euros minimum. Parcours. Parcours. Bac. L'argent. L'argent. À l'école, t'aimerais avoir de l'argent pour réussir? Non, des profs qui enseignent bien, ouais. Qui font pas d'écart des fois, parce que tu vois, des fois ils font des écarts. Certes, monsieur n'est pas parfait. Pour réussir. De meilleurs professeurs. Ouais. T'es à l'école. Alors, plus de football. Car j'aime le football. Meilleur encadrement des profs au vu des élèves. Parce que je trouve que dans ce lycée, on est assez libre, entre guillemets. Hein. Après, heureusement qu'il reste, je connais ce genre d'association, heureusement qu'il reste ce genre d'association pour encadrer les jeunes. Et ouais, voilà, c'est juste bien meilleur. Plus de temps. De temps, genre. Libre. Plus de temps libre. Oui. D'accord. C'est tout. Pour relaxer les idées. De rester 3-4 heures dans la même salle, ça nous encourage pas à aller à l'école. De quelle origine, toi? Martinique. Je comprends pourquoi tu veux beaucoup de tranquillité. Ah, je comprends. De temps libre. Freestyle. Faire des freestyles à l'école. D'accord, vas-y, fais-moi un petit peu. Bah, pour voir, juste pour voir. Vas-y, je vais appeler la cité, sors pas les deux aussi. Dans mon coca, pas de PD. Si je veux fou, je te mets en fou. Wow, ok, super. Fou, je te mets en fou. Plus de soutien. Et quelqu'un qui m'encourage beaucoup. Les professeurs et tout. Les cours supplémentaires aussi. Qu'est-ce qui manque? Dis vraiment ce que tu penses, hein. T'es pas à l'école, là. Non, en tant que professeur, pour que les élèves réussissent. Alors, moi, quand j'étais élève, il y a une professeure qui m'avait dit une phrase qui m'a marquée. C'est « ce n'est pas l'école qui fait l'élève, mais c'est l'élève qui fait son école. » Une égalité de tous, une solidarité, une fraternité. C'est une égalité de tous, déjà, bah maintenant en fait... Bah là, il n'y a pas d'égalité, là. Non. Plus de sorties, plus d'apprentissage. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont trop sur la défensive. Voilà, c'est sûr. Les aider à progresser par rapport à leur sport ou... leur mentalité. Ok, plus de soutien personnel. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Le voile. Le voile, le port du voile, c'est... Ça nous aidera plus, nous, les voilés. T'es meilleur prof. T'es sûr pour 10 buts. Et voilà, on pas te faire prenir par la tête. D'accord. Ok. Pour réussir plus de concentration. Ah merde, c'est plus dur. Moins d'élèves dans la classe et plus que les profs soient sur nous. Ouais, c'est toi, non? Je sais pas, du calme, du voilà. C'est tout. Ouais. Et tu réussis. Bah ouais, Inch'Allah. Merci. Moi ça me va parce que j'ai pas trop de difficultés à l'école. Mais après, il y en a, ils peuvent avoir besoin d'aide, genre avoir un soutien pour les cours et tout. Ok. Dis-moi, en fait, l'argent c'est pas le bicrave dans les battes, c'est pas... C'est pas genre monter un business parce que tu sais que tu vas monter un business de chicha, de ce que tu veux, genre tout dans le tabagisme, tout ça. Non, en vrai, ce qu'il faudrait faire, c'est penser à une vraie, un vrai projet. Mais c'est le seul, ouais, on leur montre pas peut-être ce que c'est qu'un vrai projet, on leur montre pas peut-être ce que c'est. Modèle économique principal des jeunes qu'ils ont, c'est ce modèle-là. C'est clair, je suis d'accord. Le grand frère, il a fait ça, le grand cousin, il a fait ça. C'est de l'argent rapide, c'est de l'argent facile. C'est bien. Je dis pas que c'est bien, mais c'est le seul moyen qu'ils ont, eux, de faire de l'argent. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Ouais. Mais du coup, voilà, il faut leur proposer autre chose, leur montrer autre chose. On est pion, ouais. Mais on a le droit quand même d'éduquer son prochain. Merde. Ouais. Voilà.